this is a sin. Under Allah, I'm a speckle. Ooh, I'm invited in your world for the night. Don't wanna fuck it all, let's get it right. Don't wanna fuck it all, let's get it right. Let's get it right. Ooh, I'm invited, I'm in your world for the night. Don't wanna fuck it all, let's get it right. Team, là je suis je rentre du resto. J'ai été au resto avec mon cousin qui m'a sorti et genre je suis direct sortie de l'avion, direct on allait au resto et tout. Là je suis encore en tenue d'aéroport, je pue sa mère, genre vraiment je pue la transpi. On pourrait faire un tandoori avec mes aisselles, ça passerait très crème. Ma montre est à l'heure française, actuellement il est 3h15 en France, j'ai pas fermé l'œil. Genre j'ai dû dormir 45 minutes dans l'avion. C'est lunaire, là je suis à Montréal, je prends le métro. Je viens de dépenser 100$ pour me payer une putain de carte mensuelle. Oh mais j'ai envie de pisser, putain mais c'est horrible. Ah, j'entends un bruit, c'est peut-être pour moi. Oui, non? Ah bah non, c'est pour celui d'en face. J'ai un putain. Ah mais c'est grillé. Mais c'est un échec monstrueux ce qui vient de se passer. Putain pardon, c'est trop chiant ce reflet de merde là. Bon la team, là du coup je sors du bus mais j'ai vécu une expérience de mort imminente. Enfin non, c'est pas du tout le terme que je voulais dire. Les bus ici c'est trop drôle, déjà tu dois tirer sur une ficelle pour demander l'arrêt. Donc déjà ça me fume de rire. Et surtout genre on est vraiment dans un monde parallèle. Enfin, genre tout le monde dit bonjour mais genre c'est pas bonjour, juste bonjour. C'est bonjour, comment ça va au chauffeur et tout. Genre des grands smiles et tout. Très chelou. Là c'est le terminus, il a fait bon bah c'est le terminus et ben je vous souhaite une bonne continuation. Genre trop de politesse, déjà calmez-vous. Et genre vraiment t'as des gens qui descendent et qui disent merci beaucoup, en tout cas merci pour la musique, c'était vraiment chouette et tout. Les gars c'est un bus genre. Là je suis choquée, moi j'ai jamais vu autant de mignonnerie dans un putain de bus. Et là je vais manger chez mon cousin. Putain j'ai des petites pattes de merde là. C'est quoi ces rouflaquettes? Je vais manger chez mon cousin. On a un barbecue. Enfin on a un barbecue. Genre il me fait un barbecue. On est tous les deux. J'ai absolument pas pu faire les trucs administratifs que je voulais faire. Parce que bah c'est trop mignon. Hello. Bah parce que c'était fermé. J'ai fait une sieste de 2 heures. Je me surveillais trop tard.
tout bonnement. Du coup, j'ai pu grave visiter. En vrai, il y a des quartiers trop mignons. Genre vraiment, mon quartier, pas ouf. Genre pas ouf. C'est un peu ghetto en fait, hein, comparé à ce que j'ai vu là. Mais après, vraiment, je fais vraiment la bobo parce que j'ai kiffé les quartiers un peu. Genre, c'est vraiment Croix-Rousse de Montréal, quoi. Bon, bref. Bisous, la team. Those folks believe one thing of themselves, thinking that they're aristocratic, but yet at the same time they're just hiding and are masked behind their own belief of themselves. Nino, slow it down. Close, we never gotta force it. Woke up with you here on my mind. Picture us now drinking coffee on a Sunday. Sunrise in the city of angels. Every day more friends are feeling like strangers. But you and me always feel right. Gotta go home, but I'll see you in the morning. Yeah, I know you're from the city of the angels. Take a shot from me. Bâton dans le cul. Mais tu le fais. J'ai une salle de Thomas, les plus belles là. Ouais, toi, elle est belle. Bah voilà, c'est tout. Allez, les garçons là. Putain, mais bande de nazes. Any ways it's hard to cover it. You'll reap what you sow. If you treat me like another. Not certified, but I'm your lover boy. You and me always feel right. Ouais, on va aller faire ces putains de démarches administratives que je dois faire depuis hier. Franchement, je suis trop moche avec mon casque. Du coup, là, on va faire les démarches administratives. Et en vrai, une fois que ça se sera fait, c'est bon, on va pouvoir commencer à chercher du taf. J'ai pris des CV avec moi au cas où. Et voilà, let's go, c'est parti. Fait de room tour, mais j'ai même pas fait de room tour. Non mais c'est la première chose que quelqu'un de normal ferait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire administrativement parlant. J'ai fait, c'est quoi cette coupe là? Bah c'est pas du tout mieux, hein. Okay. Tell Uncle Ricky to turn up the music. And I love how you can... Je sais pas si ça fonctionne bien le son. J'ai enlevé cette moumoute là parce qu'en fait ça me saoule trop. En fait, j'ai commencé le montage hier. En fait, tous les plans où j'ai le micro, bah ça grésille et c'est inaudible. Genre, c'est quand même la base du vlog en fait, de parler, de raconter sa life. Mais du coup, parlons de ce colloque improbable, enfin que dis-je, complètement probable. Honnêtement, c'était ma peur numéro une en étant dans une colloque, qui est des mecs, et qui est des mecs chelous. Bref, j'ai trouvé ma colloque sur un groupe Facebook, c'est que comme ça que tout le monde fait, genre tout se passe sur les groupes Facebook ici, c'est The Place to Be, Marketplace, machin. Marketplace, les comptes Facebook, tu trouves de tout. Du coup, j'ai publié mon annonce, machin, en mode « Salut, j'arrive en Montréal, je cherche un petit appart, voilà, que proposez-vous? Je suis présente. » Et du coup, il y a ce mec qui m'avait envoyé un message, mais c'était le moins forceur de tous. Genre, je sais pas, il m'avait l'air chill. Encore une fois, une intuition bien pétée. Et je l'ai vu deux fois, quoi, parce que je l'ai vu quand je suis arrivée vite fait. Bah, hier soir, j'étais en train de me faire à manger. C'était le premier soir que je passais, limite le premier repas que je passais chez moi, quoi. Je suis là, tac, tac, petite salade grecque, le petit coloc qui arrive en mode « Hello, je sors de la douche et tout, là, ça va ou quoi ?» Moi, je lâche, je coupe mes concombres. Vas-y, on fait connaissance, on parle. C'est bon, on se connaît pas, en fait.
Donc la discussion s'engage, et puis très vite, nous venons à parler de calculs rénaux. Une discussion comme une autre, finalement, entre les hémorroïdes et les calculs rénaux, franchement, il y a tout un petit univers là qu'on a envie de grignoter comme ça. Alors, bah, ça m'intéresse, il paraît que c'est horrible, j'ai pas envie d'en avoir, dis-moi en plus. Non mais j'ai eu un calcul rénal une fois, laisse tomber la douleur et tout, c'est horrible, j'espère que tu vas pas en avoir. Moi je suis en mode, ah ouais, putain c'est ouf, toujours en train de couper ses concombres la meuf, hein. Oh, y a un petit chat. Elle s'attend pas du tout à ce qui va se passer, la petite. Le mec me dit, mais tu sais comment je l'ai expulsé le calcul? Donc voilà, j'arrête de couper mes concombres, je me retourne, je veux. Bah tu vas me l'expliquer, j'ai hâte de savoir, genre. Je sirote à la paille, là. Tout ce que tu dis. En éjaculant. Ce à quoi le mec rajoute. Tu imagines la puissance du jet? Mais dis donc, mais les bras m'en tombent. Mais non, mais trop mignon, genre. Donc là, on est en train de parler de ton putain de sperme, en fait. On se parle 10 minutes, tu me parles de ton sperme et de ton éjaculat. Au top. Franchement, là, je... Un petit sucre. Je sais pas quoi répondre à ça. Genre, le mec est mort de rire. Je suis là, ah, trop drôle. Là, le mec m'explique qu'il allait à l'hôpital et tout, que machin, que c'était gênant parce que les infirmières étaient un peu mignonnes et tout, donc... Mais où vas-tu t'arrêter? De l'aquaplanning, là. Clairement, je suis en aquaplanning. Donc, il me raconte sa life. Bon, plutôt intéressant, ça va. On se sait, les meufs. Quand il y a des trucs comme ça, des petites... Ça commence à faire des petites allusions, des petits... Ah, je me dis, je vais poser les bases. Je vais parler de mon mec, à quel point mon couple... Oh putain, mais c'est solide, là. C'est du béton, c'est moulé dans la roche. Avec Mathis, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Fais, ah ouais, c'est sérieux. Mais mec, il n'y a pas plus sérieux que nous, en fait. Genre, on est incassables, incassables. Et là, le mec me dit quoi? Ah, mais ça doit être chaud, les relations à distance, parce que... sexuellement, c'est chaud quand même, sexuellement. À moins que vous soyez un couple libre, en fait. Donc déjà, arrête de t'approcher de moi quand tu dis des mots comme ça, ça me dégoûte. Moi, couple libre, ça me dégoûte. Notamment, je suis là, bah vas-y, les bases sont posées, il sait qu'il n'y a rien. Et donc après, il me propose de regarder un film. Le canapé est hyper grand, il fait 3 places, on est 2. Je m'installe tout au bout du canapé, genre vraiment contre la coudoir. Je me dis, bah faire de même, il va pas s'asseoir à côté de moi. Mais que pensez-vous? Mais le mec, ça soit limite sur mes genoux. Il me fait, ah pardon, je me suis mis à peu près. Je sentis ta respiration sur ma peau, donc oui, c'était vraiment prêt. Je suis pas très à l'aise, mais je me dis, bon bah... Toujours naïve. Pour moi, c'est bon, c'est clair, genre le message, il est limpide. Je dis ça en rigolant, mais en vrai, je rigole pas du tout de cette situation. C'est très malaise finalement. On regarde un film d'horreur et tout. Je fais des petites remarques, un petit peu, petites blagues, machin, parce que c'est tout simplement mon caractère. Le mec, au début, il est en mode « Ah, mais t'es trop drôle et tout !» Et genre, tu sais, il met la main sur l'épaule en mode « Ah, mais arrête, mais toi, mais t'es fou !» Voilà, que ce soit l'épaule ou le bout du nez, j'ai pas envie que tu me touches, en fait. Et au bout d'un moment, le mec se dit « Bah, l'épaule, c'est pas suffisant. On va carrément mettre ma main sur sa cuisse. Je suis en short de pyjama. Le mec pose sa main 2 fois sur ma cuisse, c'est bon ?» Oula, faut voir à quel point je me suis tendue. Je suis en short, en plus, c'est vraiment ta peau contre ma peau. Du coup, je ne parle plus, je ferme ma gueule. Le film s'arrête, ça a écrit réalisé par machin. Allez, bon, bah bonne nuit, hein, moi j'y vais. J'ai pas cherché. Déjà, alors qui, on arrête tout, j'ai oublié de dire ça. Déjà, le mec, pendant un film d'horreur, donc tu sais, il y a des petits screamers et tout, le film d'horreur est à chier, hein. Mais quand même, t'es pas non plus 100%, tu regardes pas Alien du chez Ch'ti non plus, quoi. C'est pas non plus, voilà. Et pendant qu'il y a des moments de silence et tout, tu t'attends qu'un screamer, le mec me faisait bouh. Que tu sois un gros porc, c'est une chose. Mais que tu fasses ça, ça devrait être interdit par la loi.